Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous sommes peuple papou, situé dans le plus grand et le plus oublié des océans du monde, l'océan Pacifique, Papouasie occidentale. Nous sommes enfants, femmes, hommes, pères et mères, victimes d'un génocide lent et silencieux, perpétré par le gouvernement indonésien de son armée lourde, qui dure depuis plus de 50 ans et que personne n'entend. Oubliés, on nous a oubliés. Mais nous sommes encore vivants et nous t'appelons, que notre appel soit entendu et que tu puisses le faire entendre à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres. Manifeste, manifestez ! Car à l'instant même où tu m'entends, des milliers d'entre nous sont torturés jusqu'à la mort, traqués comme des chiens dans leur propre maison. Enfants, femmes, hommes, pères et mères, victimes d'extermination lente, d'une extermination dans le temps, qui dure encore maintenant et que personne n'entend depuis plus de 50 ans. Comme si nos vies ne valent pas la peine d'être sauvées. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Mais nous sommes toujours vivants, toujours, et nous t'appelons. Nous t'appelons, nous manifestons, nous résistons comme nous le pouvons avec pas beaucoup. Avec même nos lances face aux canons, mais nous résistons. Mais nous fuyons, nous résistons et nous mourons. Enfants, femmes, hommes, pères et mères, vie, vie, vie. Et nous t'appelons, que par tous les moyens possibles, notre appel soit entendu et que tu puisses le faire passer à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres. Manifeste, manifestez, car on nous a oubliés, oubliés. Oublié des médias, oublié des ondes, oublié dans l'océan le plus oublié du monde. C'est peut-être aussi pour ça que tu ne sais pas ce que nous vivons. Alors nous demandons, nous demandons, nous demandons comment. Comment se fait-il que l'on récite par cœur, dans les discours, les écoles et sur les murs, la mémoire de génocide passé alors que celui qui nous crève est toujours vivant? Comment? Comment se fait-il que l'on érige en monument, un événement qui passe en boucle d'année en année, toujours calé sur la même saison comme un anniversaire de la mort qu'il ne faut pas oublier alors que nous sommes toujours vivants? Comment? Comment se fait-il que l'on célèbre par cœur, à la télé, à la radio, au cinéma et sur les murs, la mémoire de génocide passé alors que celui qui nous torture est toujours présent? Comment? Comment depuis maintenant plus de 50 ans, personne ne nous entend, personne vient nous sauver, comme si nos vies ne valent pas la peine de l'être. Il faut se souvenir de nos morts, mais ne pas oublier nos vivants. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alors nous demandons, faudra-t-il attendre que nous soyons tous morts pour de bon? Notre histoire sera-t-elle dans les livres d'école? Est-ce que nos noms de famille seront gravés sur des murs? Faut-il que l'on tombe maintenant dans l'oubli? Oubli, oubli, comme si nos vies ne valent pas la peine d'être sauvées? Oubli. Alors nous t'appelons, alerte génocide en Papouasie occidentale, alerte génocide en Papouasie occidentale, alerte génocide en Papouasie occidentale, le gouvernement indonésien de Joko Widodo et de son armée lourde torture le peuple papou. Je te le dis en vérité, l'ONU nous a largués à la mort par intérêt. C'est pour cela peut-être qu'on ne passe pas à la télé, pas comme Charlie et son défilé de dirigeants comme un panneau publicité. Oublié, oublié. Alors je vais te dire pourquoi. Pourquoi personne vient nous sauver? Pourquoi personne vient nous filmer? Pourquoi notre appel reste étouffé? Pourquoi dans nos propres maisons nos femmes sont violées? Pourquoi nous résistons même si nous ne sommes pas entraînés? Parce que nous,
voulant l'indépendance. Et eux veulent sous le sol. Eux, gangsters multinationales, banque mondiale de la mort, gouvernement sans queue ni tête. Car sous le sol de Papouasie, il y a de l'or. Il y a de l'or. Nous, nous voulons l'indépendance. Libérer la terre d'où l'on existe, d'où poussent nos noms et ceux de nos enfants. Notre point de repère, l'ancrage de qui nous sommes, notre maison mère, le lieu d'où poussent nos façons d'être, notre définition même, Papoua Merdeka. Nous voulons que l'étoile brille, mais eux, eux veulent sous le sol, alors ils nous enterrent. Car sous le sol de Papouasie, il y a de l'or, il y a de l'or. Alors ils creusent nos tombes, ils creusent bulldozers, arbres et forêts, crachant sous rivières et cours d'eau pour remplir encore et encore et encore leur magot d'or. Voilà pourquoi, pourquoi depuis plus de 50 ans, notre appel reste étouffé. Car sous le sol de Papouasie, il y a de l'or, il y a de l'or. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Freeport et compagnie violent salement le sous-sol de Papouasie sous couvert de l'ONU qui se moque bien de nos vies. Vie, je te le dis en vérité, ils nous refusent l'indépendance parce qu'ils veulent notre sous-sol. Et comme nous résistons, alors ils veulent nous enterrer, mais vivants. Vivants, nous sommes toujours vivants et nous t'appelons, que notre cri se fasse entendre, que tu puisses l'amener à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres, que par tous les moyens possibles, notre appel soit entendu. Manifeste, manifestez, que de manifeste en manifeste, eux finissent par trembler, car pour cette espèce d'assassin pilleur de sol qui creuse tombe de notre humanité, d'instance meurtrière déguisée en gouvernement démocratique, en gouvernement juste, en instance pour la paix, pour eux, l'image est primordiale. Toujours avoir bonne image à calculer, à faire circuler jusqu'à nous aveugler pour être bien vu de tous, pour que tous ne voient pas tout, pour garder silence et pouvoir continuer à griffonner nos vies et griffonner vallées. Alors plus nous serons nombreux à dire leur nom, à dire ce qu'ils nous creusent, plus nous serons nombreux à l'exclamer sur tous les toits du monde, sur Facebook, Twitter, école, mur, télé, sur toutes les ondes, plus nous serons nombreux à les pointer du doigt d'une même fronde, plus eux auront peur de continuer. Et même si tout ça ne suffit pas, même si tout ça ne suffit pas, sache que même dans nos forêts, en Océanie, dans le plus grand et le plus oublié des océans du monde, en Papouasie occidentale, nous continuerons de lutter, de mourir. Nous continuerons de t'appeler pour que nos vies soient sauvées. Enfants, femmes, hommes, pères et mères, nous sommes peuple papou et nous t'appelons. Nous t'appelons. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale.